Alors maintenant, là, vous en effet, vous êtes sorti carrément de votre créneau habituel. Il y a un titre qui s'appelle Bourré et heureux. Pourquoi un titre en français? Pourquoi? Il en fallait bien un. Parce qu'on est français d'abord. Tout simplement. Il en fallait bien un en français. Et puis je pense que chanter en français, enfin pour Johan, je pense que ça fait un peu plus, pas punk, mais beaucoup plus agressif. Donc l'anglais, ça lui va beaucoup mieux, je pense. Et on a voulu faire un titre en français. Bah, on fait surtout de l'anglais parce que c'est plus... international. Je sais qu'en l'écoutant, quand on l'écoute, comme l'accent, il n'utilise pas... Enfin, moi j'ai trouvé que Johan n'utilisait pas un accent très différent que quand il chante en anglais. Ça choquait pas vraiment, finalement. Ah. D'accord. C'est-à-dire que c'était finalement assez dans la ligne des chants en anglais, sauf que c'était en français, mais ça ne choque pas tant que ça. Ouais. Ça change carrément de style, je trouve. Peut-être même musicalement. Musicalement, j'ai pas trop senti la différence. Ah non, bon, non, bah. C'est vrai. Bon, mais peut-être que vis-à-vis du public, vous avez voulu accrocher aussi un peu un public français qui puisse reprendre le chant avec vous, peut-être plus facilement. Aussi, bah c'est vrai que c'est même au niveau des paroles, chanter en français, ça touche directement le public. Donc si on peut leur parler en français directement, ils se sentent plus Oui. touchés. Et surtout que là, c'est un texte vachement accrocheur, bourré, heureux. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce morceau, je pense. Alors maintenant, Outro. Alors quand on arrive au bout de l'album, il y a un morceau qui s'appelle Outro, donc on sent que c'est une sortie, et c'est une sortie en country. Alors c'est vraiment original. Alors donnez des explications sur ce type de sortie, s'il vous plaît. On n'a pas fait exprès, mais moi j'aime bien la musique cowboy. C'est le style qu'il a composé. C'est comme une impression de, après avoir écouté l'album, s'être concentré et tout. Là, c'est la détente. Hop. C'était pour de rire. C'est la fin. Voilà. C'est pour de rire. Bah, alors t'as fait que c'est bien choisi parce que c'est vrai que même ça revient à la première question. Le son de l'album, il a quand même un rendement très élevé. Et quand on écoute l'album, c'est une impression vraiment de son de l'enfer. En fait. Là, c'est vrai que très bien dit. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. C'est le niveau de guerre est très élevé, c'est très clair. Et c'est vrai que quand on écoute les morceaux après les autres, on s'en prend une grosse claque à chaque coup. Et donc à la fin, on se prend outre pour ressortir. C'est assez inattendu. C'est un petit moment de détente. Un petit moment de détente peut-être pour les tympans qui se reposent un peu. Je veux dire que cet album est... Au final, c'est pas sérieux, même si on essaye de faire de la musique... Sérieuse. Au final, on se prend pas au sérieux, quoi. Ouais. C'est pour bien faire comprendre aux gens qu'on... Tout n'est pas au premier degré. Voilà, il faut prendre la distance avec ça. Rien n'est au premier degré. Rien n'est au premier degré. Ben maintenant, on va penser à une question plus complexe qui est sur l'ensemble de l'album. Oulala. Alors, êtes-vous prêts? Donc, cet album était trop produit. Et trop produit. Ah, il est trop produit, je suis désolé. Je crois qu'on va censurer ça. Alors, cet album est trop produit. Vous n'aviez votre propre limite que vous-même. Êtes-vous satisfait de ce troisième album ou avez-vous quelques regrets de ne pas avoir pris plus de risques musicalement parlant? Qu'est-ce que tu appelles par risque? Vous répétez la question. Alors, avoir pris plus de risques musicalement, c'est justement par moment dans cet album, on sent que vous sortez de votre créneau, vous êtes inventif, quoi, comme le début de My Ticket for Hell. Est-ce que vous sentez que vous auriez pu pousser encore plus loin l'expérience? Bah, carrément, oui. Moi, j'aurais bien aimé pousser plus loin l'expérience. C'est-à-dire sortir du trash pur et dur. Ouais. Voilà, comme par exemple, comme Fishing Among Metal Hell, par exemple, ou même. Le Dangerous is Shaking, où ça sort de. Et finalement, ça choque pas, quoi. Ça enrichit l'album, en fait. Moi, je trouve ça. Mais ça aurait pu. Intéressant d'essayer de partir plus vers le heavy, plus vers le hard rock, même, et d'autres styles, quoi. C'est. Ouais. Ça ajoute au.
ça ajoute à l'album, c'est pas du trash basique quoi. Bah surtout ce qu'on veut pas faire, c'est comme tous les groupes, la course à la puissance, faire tout. Après il y a des groupes, c'est que du bruit, ou d'un moment on a été élevé dans le hard rock, heavy metal, et on a envie de rester là-dedans, on n'a pas envie non plus de comment dire, d'essayer de faire des trucs. Je sais pas comment m'expliquer, plus agressif, ça nous intéresse pas d'aller au plus agressif. Ouais, un tel groupe, tiens, il est plus agressif que l'autre. Nous, on veut rester, comme ce qu'on fait. Normal. On veut pas. Le but, c'est pas non plus d'être plus agressif encore, quoi. D'accord. Donc comme vous faites, mais vous allez plus varié, quoi. Vous allez quand même vers le plus varié. Oui, je suis varié. Qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être un peu trop. Il n'y a que moi qui suis varié. Il n'y a que lui qui est varié. Parce que bon, voilà la réponse. Vous, est-ce que vous avez quelques regrets d'avoir pas pris plus de risques musicalement parlant? Bon, Steve a dit oui, lui, là, il aurait pris plus de risques, lui. Mais donc, c'est pareil dans le groupe. Mais c'est pas moi qui compose principalement dans le groupe. Donc après, il faut que je m'adapte à ce qui se fait et ce qui leur plaît. Bah, c'est vrai que j'avais fait la remarque, le son est quand même très homogène, même si c'est à des compositions différentes. Le son il réussit à ce niveau-là, c'est qu'il est très homogène dans l'album. On sent pas qu'il y a des morceaux qui viennent d'ailleurs, il est vraiment d'un seul tenant, ça c'est bien ça. Et voilà, donc Steve aurait voulu pousser plus loin, mais c'est peut-être surtout son avis à lui en fait apparemment. Moi j'aurais répondu, ça dépend du morceau, je préfère au lieu de parler en l'air, je préfère faire du concret. Montre un morceau, oui ça passe, non là c'est, je sais pas, ça sonne pas, j'aime pas. On peut pas dire. Faut que c'est spontané quoi, c'est ça. Ouais. Si en fait si vous sortez de style, c'est spontané, et si vous en sortez pas, c'est spontané aussi. Ouais voilà. C'est un peu ça. Ouais, c'est pas calculé quoi, ouais, c'est voilà, c'est pas calculé. C'est pas calculé. Ouais. Et puis on n'hésite pas quand on a un morceau, hop, on joue en répète, il y a un moment où ça nous plaît plus, on dit hop, stop, on arrête, on le met de côté, et on puis joue de côté, on joue plus, et on joue plus, et puis on passe à autre chose quoi. Par la force des choses, vous évoluez. Le but, c'est aussi que c'est de faire plaisir au public, bien sûr, mais c'est aussi de se faire plaisir en tant que musicien. Oui, d'ailleurs, ça fait penser dans la suite de la question. C'est vrai que si jamais vous changez trop de style, vous évoluez, est-ce que vous avez peur peut-être? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que votre public soit perdu? Ou au contraire, tant pis, vous faites ce que vous avez envie? Je vais pas dire qu'on changera un jour vraiment de style, passer à la disco. Faire du disco, je crois pas, mais bon. Du disco métal, personne l'a osé. Mais passer dans des trucs plus. D'un extrême à un autre, voilà. Ça veut dire. Voilà, on restera toujours dans le hard rock, en tout cas, en général. Ouais. Vous pensez que vous perdrez votre public, et lui, il sera pas trop perdu, il verra que vous évoluez, mais sans... Ouais, ouais. Voilà. On n'a pas envie de changer de public. Quoi qu'au fil des années, ce qui peut se produire, c'est que si vous évoluez progressivement entre le premier album et celui qui sera le 5 ou le 6e, il y aura peut-être une énorme différence, mais ça sera progressif. Quoi. Exactement. Du coup, on n'aura plus qu'un public de vieux. Ah, c'est pas sûr, ça n'est pas sûr.